tenu de tout ce qui se passe autour en termes d'événements et de nouvelles, j'ai tout simplement pris la décision de retourner à la pratique médicale, ce que j'adore. Je démissionne en tant que ministre et également en tant que député. Je lui souhaite bonne chance. Je sais d'abord qu'il est un excellent médecin, donc il y a des bonnes nouvelles pour plusieurs patients aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, nous commençons notre table ronde à Québec. On s'attendait à ce que le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, soit rétrogradé. Il a plutôt pris la décision de quitter la politique. Avait-il vraiment d'autres choix? Est-ce que c'est la fin aussi des problèmes du gouvernement Couillard? Beaucoup de questions, je le disais. Tacha, Daniel, Michel, bonsoir. 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 Michel, il y a eu quand même beaucoup de bons mots aujourd'hui à l'endroit de M. Bolduc, mais est-ce que ce n'était pas un peu inévitable, ce départ? Ah oui, tout à fait. Écoutez, M. Bolduc était tellement déconsidéré, non seulement dans l'ensemble d'opinion publique, mais aussi dans le réseau de l'éducation, qui était non seulement un sujet d'embarras pour tout le gouvernement, mais il n'était plus en mesure de gérer son ministère et encore moins d'initier des réformes. M. Couillard, qui avait déjà eu le tort, de toute évidence, de le nommer là, aurait été irresponsable de le laisser là plus longtemps. Alors, c'était inévitable. Ceci étant dit, ce n'était pas le scénario privilégié par Monsieur Couillard. Il aurait certainement aimé mieux pouvoir attendre jusqu'en juin pour inclure la démotion, le renvoi, enfin, peu importe, le sort de Monsieur Bolduc dans un remaniement plus large qui va, à mon sens, de toute manière avoir lieu en juin. Alors, Daniel, comment interpréter ce geste? On se demande toujours un peu si on démissionne ou si on est démissionné, comme on dit. La question est pertinente. Écoutez, le symbole de tout ce qui allait mal chez les libéraux de M. Couillard, il est parti. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout va bien aller, qu'on va retrouver la cohésion? Il faudra voir dans les prochains jours. Rien n'est moins certain. Est-ce qu'on l'a forcé à démissionner? Est-ce qu'il a démissionné de lui-même? Écoutez, j'ai vu plusieurs cas comme ça en une trentaine d'années de couverture politique. Souvent, c'est le premier ministre qui appelle le ministre puis lui dit « Écoute, ça n'a plus d'allure. Il faut que tu t'en ailles. On va trouver une façon honorable de le faire. Tu remets ta démission. Je te dis que tu es beau, fin, gentil, intelligent. » Et puis, on n'en parle plus. C'est vraiment Ou dans des cas, et c'est arrivé très souvent aussi, le premier ministre en a assez, il demande à son chef de cabinet, appelle un tel ministre et dit-lui que c'est fini. On trouve une façon de mettre fin à son ministère, point à la ligne. Je ne sais pas comment ça s'est passé hier. Je soupçonne que M. Couillard et Bolduc, qui se connaissent bien, qui ont l'air de bien s'aimer, se sont sûrement parlé. Oui, c'est M. Couillard qui avait nommé donc M. Bolduc. Quelle est sa part de responsabilité, donc, Philippe Couillard? Michel disait tout à l'heure, c'est quand même lui qui l'a gardé si longtemps dans ce poste-là. Tacha? Oui, bien, je trouve que la décision, quand on décide à couper, c'est mieux de le faire plus rapidement. Et après les derniers propos que M. Bolduc avait fait concernant la fouille à nu, c'était tout le Canada qui en parlait. Je pense que c'était assez évident que c'était un grand problème. C'est un peu comme le Julian Fantino de M. Harper, M. Bolduc. À un moment donné, il n'a plus de crédibilité dans son propre ministère. Il doit partir. Moi, je pense que M. Couillard aurait dû prendre cette décision plus rapidement après la dernière transgression, mais finalement, il l'a pris. On va voir maintenant qui le remplace et comment ça va aller. Oui, Michel, comme Pauline Marois l'avait fait avec Daniel Breton, ça s'était passé assez rapidement. Michel, donc, une part de responsabilité pour M. Couillard? Oui, très certainement. Écoutez, il voulait faire de la place au départ à Gaétan Barrette dans son équipe, qui ne pouvait pas aller ailleurs qu'à la santé. Il a décidé de donner un prix de consolation et tout un à M. Bolduc en le nommant à l'éducation. Alors, la responsabilité était là. Aurait-il dû le mettre dehors plus tôt? Oui, sans doute, mais vous savez, c'est déjà un record de brièveté là, à l'éducation, même si les ministres se succèdent rapidement à ce ministère-là depuis 50 ans, ma foi. Oui. Pas facile, ce poste-là. C'est de moins en moins facile. Il y a eu une époque où c'était, souvenez-vous de la Révolution tranquille, ça allait bien, c'était glorieux d'être ministre de l'Éducation, il y avait beaucoup d'argent, donc moins de problèmes. Gérer la joie, et là, il y a le plus bel exemple. Oui, tout à fait, alors que maintenant, on gère la décroissance, ce qui est beaucoup plus difficile, évidemment. Ouais, le problème aussi, c'est que en ne pas expulsant M. Bolduc, plutôt lui demander peut-être de s'en aller, M. Couillard a pu
puni tous les ministres. C'est sûr qu'il y avait d'autres propos de Mme Veil et autres qui étaient problématiques, mais il a puni tout le monde en les imposant le silence avant le caucus, les choses qui vraiment, je pensais, comme on a dit la semaine passée, infantilisaient tout le monde. S'il aurait pu sortir M. Bolduc plus rapidement, peut-être il aurait évité de faire cela. Bon, il y a aussi cette prime de 155 000 $, une prime, une indemnité de départ à laquelle il a droit, en fait, M. Bolduc. Mais Amir Kadir de Québec solidaire disait aujourd'hui qu'il devrait la refuser. Daniel? Écoutez, il y a droit, vous l'avez dit, vous avez raison. Il y a des patrons dans le monde des affaires qui partent avec des millions et des millions de dollars. Est-ce qu'un politicien peut partir avec 155 000? C'est tout à fait légal. Est-ce qu'on doit blâmer M. Bolduc? On doit peut-être blâmer M. Bolduc, mais le Parti libéral aussi. Si je ne me trompe pas, Michel, corrige-moi, si oui, quand Bernard Drinville a déposé un projet de loi pour éliminer ce genre de primes-là, c'est le Parti libéral qui a torpillé le projet de loi. Donc, ils n'ont que à blâmer. Est-ce que M. Bolduc aurait pu poser un geste élégant? Éliminer pour les démissionnaires seulement, hein? Il aurait pu trouver une façon de le rendre démissionnaire aussi. Est-ce que M. Bolduc aurait pu poser un geste élégant en disant « je renonce à ma prime, je m'en vais », ça l'aurait sûrement réhabilité dans la population. Il a choisi de faire autrement. Oui, ça va embêter le gouvernement tout entier, cette histoire-là. Et M. Bolduc s'est peut-être dit « ben, vous avez voulu me mettre dehors, maintenant, après moi, le déluge. » Payer la note. Voilà. Et ça se termine pour lui comme ça avait commencé, parce qu'il est arrivé dans la controverse avec son 200 000 $ comme pour les nouveaux patients quand il était médecin. Oui, et il a l'air un peu mesquin là-dedans parce que, souvenez-vous, il y a deux députés, un caquiste, Christian Dubé, qui est parti à la caisse et qui a renoncé à son indemnité. Même chose pour Hélène Zakaïb du PQ. Alors lui, il a l'air de vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre. Et il y a un journaliste de la Presse canadienne aujourd'hui qui a calculé qu'en tout et partout, tout bien compté, M. Bolduc avait touché quelque chose comme 1 million de $ de deniers publics au cours des deux dernières années, si on inclut les rémunérations comme médecin, etc., etc. Eh bien, oui, c'est vrai qu'il est là depuis 7 ans comme député, mais quand même, ce qu'on constate, c'est qu'il ne va pas partir à nulle part. Il va devenir médecin, il va avoir un salaire, il va avoir un emploi. Alors, ce n'est pas comme certains politiciens qui n'ont rien quand ils sont mis dehors ou qu'ils perdent une élection, finalement. Bon, alors, qui sera le successeur de M. Bolduc? Vos suggestions, Daniel? Écoutez, avec ce qui s'en vient en éducation, avec ce qu'on nous annonce comme chaleur ou froideur du printemps, j'ai beaucoup de réserves là-dessus, il faudra voir, mais c'est un dossier extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Il a besoin d'un autre Gaëtan Barrette. Si j'étais Philippe Couillard, je prendrais un vieux de la vieille qui n'a pas peur de se battre, un bagarreur de rue comme Pierre Paradis ou Jean-Marc Fournier. Michel? Alors moi, je prendrais plutôt quelqu'un qui a une connaissance du réseau. Monsieur Fournier, effectivement, est déjà passé par là pour éteindre un feu, mais il s'est arrangé pour rien faire pendant 2 ans. Alors, il n'y a rien qui a avancé au ministère de l'Éducation. La personne qui a le mieux réussi, à mon sens, au cours des dernières années, c'est Michel Courchesne. Et la raison était que, comme ancienne sous-ministre, elle connaissait très bien le fonctionnement de la machine. Et celui, ou celle, je devrais dire, plutôt, qui me semble avoir la meilleure connaissance de la machine actuellement, c'est Hélène David, qui a été à la fois vice-rectrice et sous-ministre. Parce que, vous savez, c'est un ministère qui peut facilement bouffer un nouveau venu qui ne connaît rien, qui se fait embarquer par les fonctionnaires, par les pédagogues. Oui, mais vous savez, les avions sont rapides ces temps-ci. Si M. Couillard voulait absolument la nommer là, il y aurait moyen de trouver une solution. Alors, on aura la réponse demain. Je voudrais qu'on se déplace à Ottawa maintenant pour parler de ce projet de loi C-51. Y a-t-il de la récupération politique? Tasha, le NPD accuse le gouvernement de jouer au fond sur les inquiétudes, sur toutes ces menaces en ce moment, pour passer rapidement son projet de loi C-51. Est-ce qu'il y a urgence? Bien, il y a une certaine urgence, je pense, dans le sens que le gouvernement ne veut pas trop scruter à la loupe le projet de loi. C'est vrai qu'ils ont doublé le nombre d'intervenants potentiels pour des experts qui vont parler, probablement pas dans la faveur du projet. Alors, l'NPD a tout l'intérêt d'étendre ce débat-là. Mais je pense que, écoute, ces événements, le gouvernement ne crée pas ces événements-là. Ils ont lieu ici, partout. On a toutes sortes de nouvelles. Les étudiants à Québec, par exemple, la dernière nouvelle sur la radicalisation. Mm-hmm. Alors, je pense, dans le sens du public, il y a une certaine urgence aussi. Le gouvernement joue sur ça. Mais Daniel Sivan-Blanet disait aujourd'hui que le projet de loi va permettre d'éradiquer en amont les personnes susceptibles d'être radicalisées. Lundi, il s'est appuyé sur la menace là, sur le West Edmonton Mall. Est-ce qu'il n'y a pas de la récupération politique quand même?
Absolument. Écoutez, on est à quelques mois des élections et ça risque d'être, ça pourrait être le point principal de la prochaine campagne électorale, le sujet principal, en tout cas, le thème favori des conservateurs. Il y a beaucoup de récupération, des événements comme ceux de ce matin, pleine page pour nous annoncer que des Cégepiens sont rendus en Irak ou en Syrie, qu'une étudiante d'Edmonton aussi. Ça ajoute à la semi-panique qui s'est installée dans la population, surtout au Québec, beaucoup moins dans le reste du Canada, mais surtout au Québec. Et c'est clair que les conservateurs vont jouer là-dessus. C'est clair qu'ils vont faire beaucoup de récupération politique. C'est un gros vendeur. 82% dans le dernier sondage disaient « Oui, allez-y, faites tout ce que vous voulez. On va vous suivre. » Si on refaisait le sondage aujourd'hui, après les premières pages de ce matin, on serait peut-être à 90%. Stephen Harper a peut-être bien des défauts, mais il sait comment se joue la joute politique. Et voilà, mais ça ne va pas régler tous les problèmes, quand même, ce projet de loi, Michel. Ben non, évidemment, mais je ne connais pas beaucoup de projets de loi qui réussissent à régler tous les problèmes. Ça va, d'ailleurs, ça peut même en créer des nouveaux. Je comprends les conservateurs de vouloir limiter le nombre d'experts qui vont témoigner là-dessus, parce qu'il y a certainement des inquiétudes à y avoir du côté des libertés fondamentales, de la vie privée. Mais l'objectif, là, honnêtement, n'est pas tellement de régler les problèmes que de se rendre à l'élection avec le maximum de capital politique possible. Bon, je voudrais qu'on parle aussi de cette décision de Stephen Harper de contester un jugement de la Cour ontarienne sur le NICAB, un jugement qui disait qu'une personne pouvait être assermentée avec le visage couvert. Tasha, est-ce qu'il faut s'étonner que Stephen Harper aille à l'encontre de ce jugement? Non, absolument pas. Écoute, je pense que même si la Cour a raison techniquement dans la loi, c'est permis d'avoir un foulard devant son visage, si on le veut, à une cérémonie, je pense que ça offusque beaucoup de gens, et M. Harper compris. Et je pense que M. Harper, pour lui, c'est une question de principe, disant que quand vous devenez le citoyen d'un nouveau pays, vous pliez dans certaines coutumes et vous respectez le fait qu'on veut voir votre visage à une cérémonie de citoyenneté, même si c'est pas écrit dans les modalités de cette cérémonie. C'est quelque chose que les gens attendent qu'on vous voit. Alors, je pense que oui, c'est sûr que ça plaît à certaines portions de la base conservatrice, mais je pense que ça touche aussi beaucoup de Canadiens dans le climat où on vit qui disent que nos valeurs sont menacées. Alors, bonne stratégie, les libéraux et le NPD vont à l'encontre du gouvernement. Daniel? Là-dessus? Dans le cas des libéraux, probablement, oui, parce que, bon, Justin Trudeau a beaucoup appuyé le gouvernement sur toutes ces questions-là, doit trouver des façons de se démarquer, et les droits individuels sont importants pour le Parti libéral. Je suis sûr qu'il y a des vieux libéraux à la Lloyd Axworthy, à la Jean Chrétien, qui lui ont dit, un instant, là, tu vas pas trop loin. Il y a des marges qu'il ne faut pas dépasser, et ça, c'en est une. Dans le cas du NPD, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis pas certain que Thomas Mulcair lui-même est très à l'aise avec cette décision-là, mais il y a une vieille garde très importante, très influente avec les Ed Broadbent et plusieurs anciens néo-démocrates, Stephen Lewis, qui, oui, pour eux, c'était absolument, la décision de Stephen Harper était absolument anathème, inacceptable, et Thomas Mulcair n'a pas eu le choix que de se plier à ces dictats. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais juste que vous montrer quand même cette publicité du Bloc québécois qui attaque justement le NPD sur cette position-là. On pourrait peut-être la voir à l'écran si elle est là. Voilà, faut-il se cacher le visage pour voter NPD? Alors évidemment, on comprend le voile et comment on voit le Parlement. Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que sur le fond, le Bloc et le gouvernement Harper, d'ailleurs, sont au diapason de l'opinion au Québec. Et pour le Bloc, l'ennemi numéro un à la prochaine élection, ça va être le NPD. Alors, sur le fond, je pense que c'est mis sur le bon cheval. La forme, maintenant, ce que j'aime pas dans cette pub-là, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que on essaie d'associer, dans le fond, le NPD à l'intégrisme. Et ça, c'est pas la vraie raison. Le Bloc s'oppose à ça, dans le fond, parce que ça reflète le multiculturalisme. Et c'est pas ça que la publicité traduit. Bon, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais quand même, je voulais le mentionner. Alors, merci beaucoup à vous trois. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir.